Good morning, allez, Idan et Fusra, aujourd'hui les Lunishmat Avram Mordechai, Ben Yitzhak, Befani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions à Sarah Ktuvot. Perektet Mishnah Dalet Amoshivet Ishto Chenvanit, O Shemina Apotropha. Arei Ze Mashbi'a Kol Zman Sheyirtse. Rabbi Eliezer Omer, Afilu Al Pilka Ve Al Isata. Exactement. On démarre à partir de notre Mishnah pour les, je crois, 3 prochaines Mishnayot à peu près. On va parler des différentes situations où le mari pourrait soupçonner sa femme de ne pas avoir géré ses biens comme il se doit, ou on peut aussi parler de divorce, ou même de qu'elle est devenue veuve, que maintenant la femme, elle va venir récupérer sa ktouba chez le mari ou chez les héritiers, et puis on voudrait la faire jurer que qu'elle n'a pas déjà reçu une fois la ktouba, qu'elle n'a pas reçu des biens que le mari lui aurait laissés auparavant. Ouais. On va avoir toutes sortes de situations comme ça, de soupçons. Est-ce qu'on pourra faire jurer ou non la femme? Et on commence avec d'abord un cas relativement facile. « Amoshi v'tishto chenvanit » celui qui va littéralement installer, qui va donc déléguer sa femme pour être chenvanit épicière. Genre, je lui ouvre une épicerie, elle s'occupe de vendre, moi j'amène les produits, elle les vend. Ou encore, Oshemina Apotropha, ouais, ou encore qu'elle a nommé Apotrophos. Un Apotrophos, c'est un tuteur. Soit, moi, je voyage beaucoup, je suis partagé entre Israël, la France, l'Amérique, je sais pas quoi, le Sénégal, et là-bas, je suis des fois, je passe 3 mois ici, 4 mois ici, et donc quand je suis pas là, je laisse ma femme gérer, j'ai même plusieurs femmes, une dans chaque pays, je les laisse gérer mes biens, je les nomme Apotrophos, Apotropha. D'accord? Tuteur. Alors maintenant, il y a une halakha que Arezé Mashbia Kolzman Sheirtse. Le mari sera en droit de la faire jurer quand il veut. Parce qu'en fait, c'est une halakha qu'on avait appris dans Masechet Shvot il y a bien longtemps déjà. Qu'en fait, deux associés ou un patron et son employé ont la possibilité de le faire jurer. Soit de manière générale, si je ne peux pas vous prendre et vous commencez à vous soupçonner, peut-être que vous me devez 1000 shekels et que vous m'avez endormi, volé 1000 shekels, je ne peux pas le faire. Il faut qu'il y ait une certaine interaction entre nous, un certain rapport entre nous. Chachamim ont toutefois instauré dans certaines situations qu'on a la possibilité de jurer, de faire jurer l'autre. D'accord? En l'occurrence, donc, celui qui travaille pour moi. Ça, pour le moment, c'est une évidence, il n'y a pas tellement eu de grands chidouches, mais le chidouche, il va arriver ensuite dans la suite. On va revenir sur ce début de la Mishnah une fois qu'on aura vu la suite, en fait. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer enseigne, Afilu Al-Pilka Ve'alisata. Rabbi Eliezer me dit que je peux même faire jurer une femme Al-Pilka sur son Peler. Son Peler, c'est son métier à tisser. Soit, ce qu'elle travaille pour la maison, je peux même la faire jurer, ou encore Val-Isata, ou encore la pâte qu'elle fait. Soit, en fait, selon Rabbi Eliezer, c'est simple, un homme a la possibilité de faire jurer sa femme que même pour l'entretien de la maison, qu'elle entretient la maison de manière honnête et propre, sans deux fois lui faire disparaître de l'argent, sans se permettre des petits écarts, d'utiliser l'argent pour se faire donner à quiconque. Ouais, il y a d'ailleurs bien clair comment est-ce qu'on gère un budget dans une maison entre la femme et le mari. Le mari a le devoir, on verra d'ailleurs plus tard que le mari a le devoir de lui donner une certaine somme. On a même évoqué déjà quelques fois, il doit lui donner, ouais, on l'a déjà évoqué, qu'il doit lui donner une petite somme pour ses petites dépenses, c'est le devoir du mari. Mais au-delà, la femme, elle ne fait pas ce qu'elle veut avec l'argent du mari, et même mieux que ça, même quand elle travaille et qu'elle gagne l'argent, ce qu'elle gagne, ça appartient au mari. Le mari a des devoirs, à lui donner à manger, à la vêtir, bien sûr, bien évidemment, mais il ne lui donne pas sa carte de crédit et qu'elle fasse ce qu'elle veut avec. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, de ce fait, imaginez maintenant une femme qu'elle s'est mise maintenant à faire 3 kilos de pain, mais en fait, parce qu'elle a envie de donner 1 kilo à sa voisine qu'elle aime tellement. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'elle lui donne un pain, mais qu'elle ne lui donne pas 1 kilo entier. Et elle lui donne 1 kilo toutes les semaines, à la prise naturelle, sans me tenir au courant. Elle vole de ma propriété pour en faire des choses que je ne suis pas d'accord. Donc maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire jurer ma femme de temps en temps? Je dis rien, je t'amène un petit peu de bedding, je veux vérifier que tout ce que tu fais, c'est propre, il n'y a pas d'embrouille. Selon Rabbi Eliezer, je peux le faire. Je prends ma femme, je l'amène au bedding, je lui dis, écoute, la dernière fois quand tu as fait les courses, tu m'as dit que tu as un œil pour 1200 shekels, là. Jure que tout ce que tu as dépensé, c'était pour moi, et que tu n'as pas eu un gros coup de cœur pour son frère qui est en difficulté, de lui acheter 300 shekels de viande et de lui envoyer.
Je peux la faire jurer selon Rabbi Eliezer. Selon Chachamim, maintenant on revient en arrière. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Chachamim, ils ne sont pas d'accord sur ça. Un homme, il ne peut pas faire jurer sa femme sur l'entretien de la maison. Ça n'existe pas. Sinon, ça va devenir infernal. Ça va être le feu entre eux. Ils vont. C'est pas une manière. Tu vas avec ta femme et tu vas te jurer. Jure-moi que tu ne m'as pas volé de l'argent. C'est pas une manière. Quand tu donnes des fonctions à ta femme, que maintenant elle va te jurer ton affaire, elle va te gérer ton affaire et ton épicerie ou quoi que ce soit, alors là, on peut entendre qu'il y a un rapport d'employé, de patron, et dans ce cas-là, tu dis, écoute, c'est naturel qu'un employé, il se fasse des petits écarts de temps en temps, il dit, ça va, rien. Et donc, dans ce cas-là, tu devrais le faire jurer. Mais au-delà, tu n'as pas le droit, maintenant. Le chidouche de la Mishnah, en fait, pour ta nakama, vient de me dire qu'une fois que tu la feras jurer sur, lorsqu'elle est épicière ou lorsqu'elle gère tes biens, que tu la fais jurer, que tout a été honnête, que tout a été propre, dans ce cas-là, tu peux le faire ce qu'on appelle un gilgul shvoua. C'est une règle qui existe en général dans les lchot shvoua, que si déjà je te fais jurer sur une chose, je suis en train de faire. Il y a toutes sortes de situations. On n'a pas le droit de faire jurer. Je vous ai déjà dit qu'on n'a pas le droit de faire jurer quelqu'un sur n'importe quoi. Je n'ai pas le droit de vous prendre et de vous dire, hey, jure-moi que tu ne dois pas 1000 shekels. Maintenant, si toutefois on a déjà eu pour une autre histoire entre nous, j'ai un droit sur vous de vous faire jurer parce que on a une affaire entre nous, que de toute façon vous devez jurer. Alors là, j'ai la porte ouverte pour faire un gilgul, je vois. Je vais déjà vous faire, vous retourner, un autre, je vais vous donner un autre, vous assermenter, vous faire jurer sur une autre histoire. Vous avez compris comment ça se passe, un gilgul, je vois. Si déjà j'ai la porte ouverte, j'ai un droit de faire jurer Réhouven sur cette histoire-là. Alors si déjà jure moi aussi sur une autre histoire qu'on avait entre nous, où j'avais pas de droit de te faire jurer. Selon ce principe, selon Tanakama, je n'ai pas le droit de faire jurer ma femme sur l'entretien de la maison, qu'elle ne m'a pas endormi des biens par-ci, par-là. Mais si déjà ça a été mon employé, que maintenant je suis en droit de la faire jurer, alors j'ai le droit de le faire jurer aussi, si déjà, assure-moi que l'entretien de la maison, tu le fais proprement, d'accord? Ça c'est selon la Chachamim, elle a la Chachamim comme Chachamim, on ne fait pas jurer sa femme sur l'entretien de la maison, mais si toutefois on a une autre occasion de la faire jurer, alors on pourra lui ajouter d'assurer que que pour l'entretien de la maison, pour tous les frais du coup au quotidien, qui est là-bas, qui n'a pas eu d'écart, que tout est propre et transparent. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Toub.